Et bonjour à tout le monde, on se retrouve pour ce septième épisode de Spyro the Dragon sur Xbox One, la trilogie remasterisée, tout le bordel. Donc les gars, je m'excuse déjà, d'ores et déjà, pour le précédent épisode. Hein. Il y a un bug avec mon PC à ce moment-là, je m'en rappelle. Merci Spyro, tu as retrouvé ton dragon. Bah ouais, on va au monde des créatures d'animaux. De toute façon, ce monde-là, on a tout fait, hein, les gars. On a tout fait dans le monde là, dans le monde 1, le monde 2, on a tout fait à 100%. Donc bah on se casse vers le monde 3. Donc voilà, il y avait eu un bug au niveau de la webcam. Là je l'ai pas encore fait en temps là où je vous parle, mais je vais le faire. Je vais devoir commenter par-dessus la vidéo pour commenter l'épisode. Je vais pas vous mettre un épisode sans commentaire. Bien évidemment, ça n'a pas de sens. Donc voilà, ça va être chiant pour moi, ne vous inquiétez pas, et pour vous aussi, je sais. Parce que ça sera pas en live. Mais bon, je verrai comment je vais faire. J'essaierai de faire un épisode plus court, comme ça, voilà. Mais voilà, c'était chiant parce que c'était au moment vraiment mon PC déconnait. J'ai regardé, je pense que même le gameplay, enfin l'image du jeu, la vidéo du jeu, buggait aussi un peu. Mais voilà, je verrai bien. Au pire des cas, je ne mettrai pas cet épisode. Quoi? Je me rappelle pas de ce monde, les gars. Je me rappelle vraiment pas de ce monde. Hein. Sérieux? On regarde directement, il y a 300 diamants et 2 dragons. Très bien, rien d'autre à part cela. Mais je me rappelle pas de ce monde, les gars. Enfin, je me rappelle vaguement, mais c'était pas du tout comme ça à l'époque. Ça me paraît très 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 bizarre. Hein. Ici, il y a de l'eau, hein. On peut pas rentrer dedans. Ça, c'est des trucs où il faut donner des coups de boule. Coups de boule ladrante. Ici, c'est de l'eau. Donc, si je tombe là, je meurs. Bien entendu. Ah ouais, je me rappelle maintenant avec ces mecs qui maîtrisent le sol. Mais c'est vrai que. Ouais, ça remonte à loin quand même dans mes souvenirs. Ça remonte à très lointain. Dans un passé très lointain, vraiment. Alors là, il y a un dragon déjà. Village terrasse. Mais on va pas faire ça maintenant. On va en premier essayer de faire le. Le truc principal à 100% et puis on ira dans les niveaux. Transforme notre marais en décharge électrifiée. Oh, et qui était si beau. Je n'en doute pas. Oh, on est presque à 50 dragons les gars déjà. On est chaud hein. On est chaud, on est chaud. Alors ce jeu là, on va le terminer les gars à 100%. En tout cas j'ai envie. Et je sais que j'y avais déjà réussi donc on va le faire. On doit faire ça, Spyro. Pas la merde. Dégage. Oh, c'est on dirait Pumba, les gars. On dirait Pumba. Ultimon. En parlant de ça, les gars, il y aura Roi Lion hein, qui va sortir. Le vrai Roi Lion. Remasterisé en 3D, bazar. Et tout. Alors, ici, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Bon, on va tuer cette poule pour reprendre des PV. C'est important. Bon, ici, il n'y a plus rien. Hein. On est obligé de continuer par là. Là, il y a un Pumba. Ici. Allez, tu dégages. Tu me donnes le diamant. Là, c'est marais brumeux. Les missions ici, elles s'annoncent assez compliquées. Quand même. On va pas se mentir. On chope le deuxième dragon, Cletus. Qu'est-ce qu'il va nous dire, lui? Bah alors vas-y. Putain, lui me dit rien de spécial, hein. Il s'en bat les couilles de ma gueule. Ah non, ça je dois faire tourner. Putain. Ok. Alors là, est-ce qu'on peut tomber? Là, on peut tomber dedans, tu vois. Là, on peut tomber dedans. On va en premier venir ici un peu, on va faire le petit tour du propriétaire. Ouh là, il y a un Pumba ici qui m'a foncé dessus. Ok, rien d'autre ici, parfait. Alors on va venir là. On défonce tout ici. Voilà, magnifique. Il n'y a rien oublié, parfait. Là maintenant on va tomber dedans. Il y a un niveau ici en plus. Ok. Ok, vous êtes comme ça vous. Ok, bon bah on monte, on remonte. On descendra ici plus tard. Ah, moi je suis organisé, j'aime bien faire les choses dans l'ordre, tu vois. Il y a des gens, je sais qu'ils vont faire genre premier niveau qu'ils voient devant eux, hop, ils vont tomber dedans et s'en battre les couilles. Mais moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Ici, c'était le truc brumeux, hein, c'est vrai.
Donc maintenant je dois aller vers ce côté là. Allez hop. Toi c'est bon. Surtout pas oublier un diamant, parce que si on oublie un seul diamant les gars, ça nique tout le 100% hein, on dans le jeu. Putain, maintenant je me rappelle, maintenant je me rappelle petit à petit de ce monde là. Maintenant que je suis un peu plus en train de le faire là, ça revient petit à petit. Cime des arbres. Ok. Petit coq, enfin petit poulet plutôt. J'ai pas oublié des diamants par là-bas, non, je pense pas. On est à combien là? 175, 175. C'est pas beaucoup hein. C'est pas beaucoup hein. Allez, on est encore, je pense, à la moitié du niveau, plus ou moins. Donc il devrait y avoir encore pas mal de trucs par là. Une petite vie. Là, il faut une clé. Ici, est-ce qu'on peut tomber dedans? Non. Là, on défonce tout comme ça. Putain, j'en ai oublié, hein, sérieux. Putain, là, il y a un mec qui va m'électrocuter. Dégage. Là il y a un tronc d'arbre là, il me fait peur hein. S'il y a des trucs là-bas, on est baisé. On pourra pas aller le shop hein. Là je suis obligé de venir par là, je vois pas d'autre solution. Donc je vais attendre qu'il remette le truc. Voilà. Et maintenant j'ai tout le temps de le niquer. Vous voyez là des troncs d'arbre là. Regardez là, il y a une clé là-bas, j'ai vu. Attendez, je vais en premier aller niquer ce mec là. Ça va, c'est rien de compliqué, mais tout de même faire attention. Ok. Bim. Là, c'est pour pouvoir s'envoler vers le monde suivant. C'est tellement triste, tous ces dragons. Peut-être que... Il veut que je sauve 50 dragons pour... Bon, j'en ai déjà 47, hein, ça va pas être bien compliqué. Metalhead, je pense que ça, c'était le boss, hein, si je m'en rappelle bien. Alors, je vais venir ici choper la clé, bien entendu. Surtout pas crever, parce que si on crève, les gars, tous les ennemis vont repopper. Ça va être vraiment casse-couille. Mais je sais pas aller là, en fait. Attends, peut-être pour aller là, ça sera un autre... Ce sera d'une autre manière, parce que... De là, comme ça, je vois mal comment je pourrais atteindre ce truc là-bas. Donc, je pense qu'il faut que je monte ici. De toute façon, ouais, je vois des diamants là, donc... Voilà. D'abord je vais aller choper le truc là. Ensuite on fera le reste. Voilà, parfait. La petite clé, on peut déjà maintenant. Non, sérieux, putain. J'ai eu peur. Parfait. Le coffre il était là hein. On va déjà ouvrir le coffre comme ça, voilà. À la fin, on aura tout, ou bien il nous manquera des trucs et là on sera baisé. Tu vois. On a combien? 296. Très bien. Alors là, où est-ce qu'on peut aller? On va aller de ce côté pour voir. Rien ici. Village terrasse, ça c'est au tout début, non? C'est tout début du niveau, ça. Hein. Metal Head. Il me manque littéralement 3 diamants, les gars. Ah là là, c'est pas chouette ça. C'est pas cool du tout. Oh. Sérieux, les gars, non. Mais putain, je déteste. Ah non, attendez. Peut-être que par là-bas, j'avais vu des trucs, non? Peut-être que je rêve, mais. Ah voilà, bah, les 3 ils sont là. Parfait. Voilà, on a tout les gars, magnificos. Là on est de nouveau tout début du jeu, ce qui est cool, comme ça on peut faire les niveaux petit à petit, genre le premier jusqu'au suivant quoi. Donc le premier c'est celui-là, hein, village terrasse. On est parti, pour le 100% de ce niveau-là aussi, on va essayer en tout cas. On est à combien? 9 minutes sans coupure, très bien. Mais bon, alors il y aura des niveaux d'office, on va bloquer de ouf les gars dessus, je le sens, donc il y aura d'office des coupures. Parce que j'ai vu jusqu'à maintenant l'épisode 2 les gars, j'ai posté l'épisode 2 il y a quelques jours, il faisait 45 minutes avec coupure. Donc ça c'est chaud, je pense que le troisième aussi sera aussi assez... Ah ouais, ici on pouvait bouger.
Je pense que le 3 sera aussi assez long. Le 4, j'ai vu aussi, pareil. Donc voilà, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que je kiffe le jeu. Les petits jeux d'aventure comme ça, les gars, c'est là, c'est tout dans une vie, tu vois. Primordial. Alors ici, inspection. 400 diamants. Deux dragons. Pas de voleurs d'œufs, pas de trucs comme ça. Ok. Donc c'est un niveau a priori classique de chez classique. Il y a combien de dragons encore? Je pense qu'il y en avait une centaine. Je pense qu'il y en avait 100. Hein. Putain, c'est qui lui? Mec, il a carrément une machine. Hein. Ok. J'avais un cheveu dans la bouche. Allez, hop, ça c'est fait. Lui, je les chope par derrière comme une pute. Dégage. Dégage. Ah, je suis chaud, les gars, quand même. Allez, hop. Alors là, c'est d'où on est arrivé. Hein. Parfait. Ok, j'ai fait un peu le tour. Que ce soit d'un côté. Ouh là. Vous avez vu comment ils étaient cachés, ceux-là? Parfait. Il n'y a pas d'autre coffre ici. Par hasard. Là, il y a des trucs. Il y a quand même 400 diamants. Hein, donc, le niveau a l'air quand même assez grand. Ici, j'avais rien oublié. Si, regarde, tu vois, tu vois, tu vois. En fait, ici, c'est à la base des bases. Je devais arriver par là, je pense. Dégager, je chope la vie. Des vies, il nous en faut. Parce qu'à un moment donné, je me rappelle quand j'avais joué au Spyro sur PS 1. Je suis arrivé à un certain moment du jeu où j'ai perdu presque toutes mes vies que j'avais cumulées. Donc, on n'a jamais trop de vie, tu vois. On n'a jamais trop de vie. Pam, pam, pam. Alors, j'étais arrivé d'où là en fait. Parce que je vais un peu revenir sur mes pas. Parce qu'il me semble qu'à la base des bases, je devais baser vers un. Okay. Ah, en fait, ouais, juste, j'ai dit je prends un autre chemin, quoi. En gros. En gros, du gros, c'est ça. Ici, j'avais déjà regardé. Ouais. Ouais, en gros, du gros, je suis passé par derrière, quoi. Donc, au final, j'ai bien fait tout le tour ici. Parfait. Ok, donc on peut continuer par là. Là, il y aura le premier dragon du niveau. Ici, c'était pas un diamant, ça? Ah non. J'ai rêvé. On libère lui. Claude! Putain, Claude. Le mec s'appelle Claude, quand même. Attention, Spyro. Les Gnorks des environs ont découvert le pouvoir de l'électricité. Et ça pique Les fort. Gnorks. T'inquiète, mon gars. Moi, je suis chaud. J'ai cramé leur petite connerie, là. C'est vrai qu'ils ont tous des putains de trucs électriques en main. Ce qui est assez bizarre. Surtout pas oublier ces petits diamants. Oh, il m'a eu ce connard. C'est la première fois que je me fais toucher dans le niveau. Ok. Putain, il faut deux coffres ici. Il faut deux clés, sa mère. Sérieux? Ah, il faut deux clés, les gars. Ça annonce chiant ça. Ok, ici c'est ok. Non merde, j'oublie à chaque fois que c'est le coup de corne qu'il faut les. Ah, vous voyez, c'était caché ça, les coffres. Ok, on les a eu, c'est le principe. Putain, on est qu'à 153 diamants, les gars. Chaud quand même. Chaud, 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 con. Ok. Là, ce petit connard, je le défonce. Il le défend. La seule issue, c'est la bagarre. Allez, tu dégages. Non, je suis en train de crever, les gars. Faut que je bouffe des poules. Elles sont les poules. Il y a encore un coffre ici. Mais non, mais les gars, il me faut trois clés. Sérieux. C'est chaud, là. Ici, il va falloir que je tue en premier celui-là de gauche. Ensuite, le grand. Parce que le grand, en soi, il bouge pas, tu vois. Voilà. Voilà. C'est
C'était la bonne stratégie à adopter. Ah, le deuxième drague. Cyprien. Non, c'est pas Cyprien, Cyprien. Bon travail, Spiro. Un jour, tu pourras raconter tes extraordinaires aventures à tous les dragons. Et ouais, mec. Un jour. Mais là, j'ai surtout envie de quitter ce marais. Pareil. Pareil, j'ai envie de quitter le marais. J'ai envie de quitter le navire. Ok, une poule ici, parfait. Une deuxième poule ici. On prend une visite. Wouah, ils sont 1 million ici. Putain. On chope la poule. Toujours rester, essayer de rester au max des PV. Toi ta mère. Ah, regarde. C'est pas magnifique tout ça. Parfait, ici on a tout pris les trucs. On a plus de la moitié des diamants. Alors, ici, j'ai fait. Donc là, je dois monter. J'ai l'impression que j'oublie des zones, mais. Mais je pense pas. Allez, ta mère. Les grands là, ils font beaucoup moins peur que les petits. Hein. Ça, je vous le dis. Enfin, ils sont beaucoup plus faciles à battre en tout cas que. Regardez, ici déjà, on va descendre là. Avant qu'on oublie. Tu vois. Parfait. Donc maintenant, je dois refaire le chemin. Hein, c'est ça. Ok, y a aucun souci avec ça. On revient par là. Hop. Moi, ce que j'avais préféré dans les Spyro, c'était le 1. En fait, je les ai tous kiffés. Le 3, je m'en rappelle pas du tout. Alors, le 3, qu'on le fera en vidéo, les gars, ça sera vraiment une... pas une découverte parce que j'y ai déjà joué. Mais je m'en rappelle pas du tout du 3, en fait. Je me rappelle vraiment pas du tout du 3, comment il est. Le 1 et le 2, ça va, je m'en rappelle encore. Mais le 3, aucune idée de... Il devrait en refaire un, quoi. Spyro 4, ça serait vraiment cool. Je les ai tous ici. Alors là, il va nous faire monter. Ok. Alors d'ici, il n'y a pas des zones que je pourrais atteindre comme ça pour choper des trucs. Attends, on dirait un dragon là dans le... Attendez, là, donc là je peux aller là. Je peux aller ici. Putain, j'ai failli pas y arriver. Il me faut des clés, hein. Il faut pas oublier qu'il nous faut des clés pour les coffres. Parce que là, j'en ai toujours aucune et apparemment il y a 3 coffres là visiblement. Ici il y a d'office des zones hein, que je peux atteindre à partir d'ici, enfin d'ici plutôt. Bon, ce mec là, on va le niquer. Là on est à la fin du stage, hein. On est à la fin du niveau. On n'a pas les clés qu'il nous faut. On n'a pas les 400 diamants. On a les deux. On a les deux dragons, oui, mais c'est tout. Mm-hmm. C'est là que ça va commencer le casse-tête. Une fois que tu as fait tout le niveau, que tu as fait un peu le tour partout et que tu n'as pas les diamants qu'il faut, c'est là où ça commence, le bordel. On va chercher, hein. On n'a pas le choix de toute façon. Ah, regardez là, il y a des trucs au-dessus. Attendez. Alors, comment je fais pour aller là au-dessus? Là, il y a des coffres, mais j'ai pas les clés. Donc, j'y n'y ai pas accès. Je pense avoir trouvé comment aller là. Attendez. Putain, je vais devoir refaire tout le tour, sérieux? Putain, quoi. J'espère juste ne pas mourir parce que si je meurs, tout le monde repop et c'est un peu le bordel. Parfait. D'ici. Non, j'ai pas fait ça quand même. Putain de merde. Je suis con, je suis vraiment con, les gars. Là, vous pouvez dire dans les commentaires, t'es con. Point. T'es con, point, voilà. Allez, petit connard, vas-y. Alors là, c'était ici en fait que je devais venir. Pouf.
Il me fait peur des fois ce canard. Hein. Et de là. Et de là. Vous voyez, il y a des petites flèches comme moi, qui nous disent. Et d'ici, je viens ici. Voilà. Parfait. Ok. 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 Là, il y a une fusée. Ah non, c'est les fusées qui vont péter les coffres en fait. Faut pas des clés. Voilà. Il manque encore deux fusées. Là, il y en a une. Ok. Celui-là, il va péter lequel? Celui-là là-bas, je suppose. Parfait. Il manque une fusée, les gars. Sérieux? Putain, sérieux? Plus je suis sûr, il me manque que ça pour niquer le terminer le niveau. Bon, on va en soi, on va déjà aller ici. Tac, 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 tac. Putain, je vois pas la fusée, les gars. Elle est d'office sur ces trucs-là. Donc, je vais revenir là. Et on va la trouver. Parce qu'elle est d'office là-bas. Ça, c'est sûr et certain. Non, c'était par là. Paf, paf. Paf. C'était par ici. Par là. Non, 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 la fusée elle est d'office là-bas, les gars. Je vois pas où elle pourrait être d'autre. Vous voyez? Donc, à part là, elle est là. Il n'y a pas de. Pas à tergiverser là-dessus. Alors, peut-être. Non, pas... On a combien là de diamants? 300. Donc, ouais, c'est ça. Il n'y a que ça qui disait. Il n'y a plus que ça qui nous reste. Sûr et certain. Ah, c'est très bizarre, les gars. Oh non, c'était juste là, les gars, sérieux. Putain, j'étais en train de chercher en haut comme un con, mais en fait, non, elle était juste là. Mais c'est compliqué, les gars, à voir ça ici. Hein. Jamais tu vas te dire, ouais, la fusée est là, quoi. Tu vois. Bah voilà, on a tout ici. Quitter niveau, c'est parti. 100% les gars, on va entamer un prochain niveau en sachant qu'on va pas le terminer. Donc on va juste le commencer. On le terminera pour l'épisode d'après parce qu'on est déjà à 24 minutes de vidéo. Donc on entamera un nouveau niveau et on le terminera dans l'épisode d'après. Quoi. Mais c'est bien, on a bien avancé. Et c'est de toute façon les niveaux maintenant, dans les mondes qui suivent, ils deviennent de plus en plus longs. À faire parce que ça devient de plus en plus compliqué, les diamants sont de plus en plus cachés, il y a beaucoup plus de secrets, etc. Donc voilà, au début tu les fais vite, mais à un moment donné ça devient plus long. Ok, donc ça c'est fait, parfait. Je sais pas à combien de monde, hein. À mon avis on a peut-être 5, je suis vraiment pas sûr. Alors ça c'est chiant, par contre quand on revient il y a tous les ennemis qui ont repopé. Le prochain monde, enfin le prochain niveau le plus proche, c'était celui-là là-bas. Hein. Marais brumeux, je pense. Allez, ta mère. Après, on a un dans le puits aussi. Ça, on l'oublie pas. On a 20 vies quand même, les gars. C'est pas mal du tout. Hein. Ok, ok. Très bien. Donc, le marais brumeux, les noms comme ça des niveaux, je m'en rappelle pas parce que quand je jouais au jeu. C'était sur PS3 que je l'avais acheté sur le PlayStation Store de la PS3. D'ailleurs, je les ai encore, vu que ma PS3 est juste là. Et le jeu était en anglais, en fait. Il n'y avait pas le jeu en français. Donc, les noms des niveaux en français, ça me dit rien. Après, quand je serai dedans, peut-être ça me dira quelque chose. Mais j'avoue que ce monde-là, c'est, je pense, le monde où je me rappelle le moins des trucs. Après, voilà, les deux premiers qu'on vient de faire à 100%, ils étaient quand même assez... Ils n'étaient pas si compliqués que ça, on va dire. En tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu besoin de regarder sur internet ou quoi. J'ai tout. Ah, y a des pièges et tout pour les gens.
Alors ici, 500 diamants, 4 dragons. Pff, jamais on finira dans cet épisode, ça c'est sûr et certain. Très très long le niveau, les gars. Il s'annonce, mais très très long. Ça, c'est une certitude. Oh, je me rappelle de ces ennemis. Putain, ces putains de plantes de chiasse, les gars. Ça, je m'en rappelle. Putain, je sens qu'on va galérer ici. Hein. On va essayer de faire le maximum maintenant. Hein. Encore 5 minutes de jeu, et puis on arrêtera. On se retrouvera au prochain épisode. Attends, attends. Bon, déjà ici, je suis perdu. Je sais même pas par d'où je suis arrivé. Ni d'où je suis arrivé. Non, je suis arrivé d'ici. Hein. Ouais, très bien. Bon, alors on doit aller par là. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Là, une vie d'entrée de jeu. Très bien. Des diamants ici. On les oublie pas. Ça, on dirait des Pokémon. Des Kaiminus, tu vois. Des... Très bien. Putain, ce niveau, les gars. Je pense que je suis en train de m'en rappeler petit à petit. Et je pense que je sens qu'on... Ça va être lourd. Pas vous, mais ok, les plantes sont bizarres. Hein. Alors, j'ai vu qu'il y avait un dragon là. On va le libérer. Roscoe le dragon. Fais attention aux grenouilles d'attaque, ce sont des tueuses impitoyables. Des grenouilles d'attaque ? Dire que c'était un si beau match. Ah, les grenouilles d'attaque, c'est les trucs bleus, je pense. C'est les petites grenouilles bleues, là, qui ressemblent à des Kaiminus, là. Attendez. Alors, je peux aller par là. Ok, je vous ai niqué tous les deux. Bas les couilles. Ok, alors, qu'est-ce que... Ok, donc je peux aller par là. Putain, ce niveau il va être très très chaud, les gars. Je m'en rappelle, hein. Maintenant je m'en rappelle très très bien de ce niveau. Est-ce que je peux sauter là? J'ai peur de... Putain de merde. En vrai, je pense que de base je pouvais pas faire ça. Oh, ils m'ont tué, sérieux? Putain, ils m'ont mis que des coups de couteau, sa mère. Ils m'ont pointé, paf, paf, paf. Fils de pute. Putain, les gars, non, on a perdu, on va devoir tout refaire. De toute façon, on va bientôt terminer l'épisode. Hein. Il y a presque 30 minutes. Ok, on repart. Ah bah, pff, voilà. Je suis vraiment con. En fait, je suis parti de là, mais en fait, c'est d'ici que tu dois venir. Et foncer dans le tas. Et voilà! Rien de plus simple. Moi, je cherchais le midi à 14h. J'ai chopé tous les diamants. Je sais que là, il y en a encore. Ne vous inquiétez pas. Ici, on chope tout. Pas oublier celui-là, parce que sinon, c'est de la baise. Alors là, on peut tomber là-dedans, vous croyez? Je sais qu'on peut tomber là-dedans. Il y a une flèche qui nous l'indique. Mais... On va venir ici. Et ici. Et ici. Non! 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 Putain, j'ai perdu tous mes PV. Non! Putain, fils de... Bon, les gars, on va terminer l'épisode sur ça. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, un commentaire. Et allez voir mes autres vidéos, pourquoi pas, les gars. D'autres séries en cours, n'hésitez pas à les voir. Abonnez-vous surtout, on est presque à 1700 abonnés. J'espère que quand cet épisode sortira, on le saura déjà, à mon avis. Mais voilà, c'était Lucas Certain, on se retrouve très bientôt. Ciao!